Coucou tout le monde et bienvenue à The Quiz. Aujourd'hui, c'est la dernière demi-finale. À la fin de cette émission, nous connaîtrons enfin le nom de nos deux finalistes qui s'affrontera dans un duel ultime pour remporter le titre de grande experte Adopt-Me. J'ai vraiment hâte! Donc, sans plus attendre, voici nos concurrentes Crystal et Brigitta. Donc, bonjour les filles, est-ce que vous allez bien? Oui. Oui. Super! Donc, nous pouvons commencer. Nous débutons avec l'épreuve Devine le pet. Cette épreuve permet de gagner 2 points à celle qui trouvera le bon pet en premier. En cas de mauvaise réponse, le droit de réplique est permis pour gagner 1 point. Donc, jusque-là, ça va bien? Oui. Oui. OK. Donc, je vais vous donner un maximum de 4 indices. Si vous êtes sûr à 100% de la réponse, à tout moment, vous pouvez répondre en allumant votre lumière. Donc, allons-y. Premier pet. Premier indice, il est dans la catégorie rare. Deuxième indice, il est principalement fait de la couleur grise. Crystal. Je dis l'éléphant. Ben, c'est une bonne réponse, Crystal. Donc, ouais. Bravo! Crystal, tu peux parler? T'as allumé ta lumière? Je dis l'éléphant. Ben, c'est une bonne réponse, Crystal! Donc, ouais. Bravo! Deuxième pet. Premier indice. Il est bleu, vert et jaune. Deuxième indice. Il est dans la catégorie légendaire. Troisième indice. On le retrouve au pet shop. Crystal. Bon. Oui, c'est une autre bonne réponse, Crystal. Troisième pet. Premier indice. Il est dans la catégorie ultra rare. Deuxième indice. À son achat, il coûtait 600 000 ginger. Troisième indice. Il marche sur 2 pattes. Quatrième indice. On dirait qu'il porte un manteau blanc. Brigitta. C'est pas comme le dragon là. Non. Donc, droit de réplique, Crystal? Bah, je sais pas. J'ai oublié. Donc, personne n'a de point ici. La bonne réponse était le Yeti. Ah oui, ça. Quatrième pet. Premier indice. Je ressemble au premier animal que l'on peut avoir en début de jeu. Deuxième indice. On peut m'avoir que par une trade. Troisième indice. Ma couleur est peu commune. Crystal. C'est pas le Blue Dog? Je vais l'accorder parce que j'ai mal fait mes questions, mais oui.
Comment ça t'a mal fait tes questions? Parce que j'ai pas pensé au Blue Dog, mais je donnais des indices pour le Pink Cat. Après, c'est un peu les mêmes animaux, mais c'est sûr que bah. Ouais, j'y avais pas pensé, mais c'est pour ça que je te l'accorde. Et maintenant, le cinquième et dernier pet à découvrir. Premier indice. Légendaire. Deuxième indice. J'ai des taches. Troisième indice. On me retrouve dans le Safari Egg. Donc, Brigitta. C'est pas la girafe. Mais c'est une bonne réponse! Wow. C'est horrible, je pensais. Bravo! Donc, c'était bien joué, les filles. Les scores sont maintenant de 6 à Cristal et de 2 pour Brigitta. Félicitations, les filles! Donc, maintenant, passons à la deuxième épreuve. Le dernier mot. Les règles sont simples. À tour de rôle, vous nommez un pet dans la catégorie nommée. Celle qui nommera un pet déjà mentionné aura perdu la partie et 3 points ira à la gagnante. Quoi? Si vous venez à bout de la liste de pets à mentionner, 1 point ira à chacune. Donc, est-ce que vous êtes prête à commencer? Oui. Yes. Donc, super! Nous allons commencer avec Brigitta, puisque tu as le plus petit score. La catégorie sera les pets rares. Le Cristal. Narwal. Brigitta. Le lapin. Cristal. Le lynx. Brigitta. Le lièvre. Cristal. Snoopla. Brigitta. L'ox. Cristal. Ben, l'éléphant. Brigitta. Le castor. Cristal. Ah, la vache. Brigitta. Le rat. Cristal. Le rhino. Brigitta. Le cochon. Cristal. Le cygne. Brigitta. Le pink dog, le pink cat. Et non, Brigitta! Le Pink Allez, vas-y. Cat ne fait pas partie de cette liste. Il est spécial. Et oui! Donc, les scores sont maintenant à 9 pour Cristal et de 2 pour Brigitta. Donc, et voilà, petit concours maison cette semaine. Je sais que la semaine dernière, je l'ai laissé passer, mais c'était pour préparer celui-ci. Donc, je vous demande votre participation pour la grande finale. Dans les commentaires sous la vidéo, inscrivez votre nom Roblox et une question sur Adopt-Me. Je sélectionnerai les meilleures questions pour les poser à nos concurrentes. Puis, parmi les questions sélectionnées, je ferai le tirage au sort d'un Frost Fury.
C'est pas rien, un Frost Fury. Donc, j'attends vos questions avec les réponses à côté ainsi que votre nom Roblox dans les commentaires. Donc, bonne chance tout le monde! Donc, maintenant, voici la dernière épreuve, celle du build. Je crois que les concurrentes avaient toute hâte à ce moment. Donc, j'invite maintenant notre juge officiel, Rafkal, à me rejoindre. Salut! Salut, Raph! Ça va bien? Ouais, ça va super! Donc, merci d'être encore avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui? Et c'est un grand plaisir. Donc, commençons. Pour ce défi, vous aurez 5 objectifs que Raph va vous mentionner après et 10 minutes pour compléter votre build. Vous serez noté de la façon suivante. 2 points seront accordés pour le détail décoratif, 2 points pour l'utilisation de l'espace et 2 points pour l'originalité. Et bien entendu, un total de 14 points pour les objectifs atteints. Donc, Rafkal, quels sont les objectifs? Alors, pour cette demi-finale, je voudrais que les candidates me créent la chambre de la famille écureuil. Donc, je dis bien la famille écureuil. Et donc, les objectifs en créant cette chambre, il faudra qu'il y ait 3 nuances de vert différents. Vous avez le droit de mettre d'autres couleurs, mais il faut qu'il y ait au moins 3 verts différents dans la chambre de la famille écureuil. Je vais vous mettre en second objectif de mettre 4 arbres. Alors, ça peut être n'importe quel arbre, mais il faut qu'il y ait 4 arbres. Sinon, les écureuils seront très, très malheureux. Je souhaiterais aussi voir une barrière en bois dans le décor et un coffre au trésor. 5e objectif, une fenêtre en forme de cœur. Donc, c'est génial! Donc, à mon signal, les filles, vous commencez. Donc, à vos marques, prêts, buildez! Et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Voilà, c'est bon. Thank you.
Wow, Raph, les scores étaient quand même assez serrés, n'est-ce pas? Très serré. Donc, Très, très serré. Le résultat final est de 25 pour Crystal et de 18 pour Brigitta. Félicitations, les filles. Vous avez été incroyables. Ça s'est joué vraiment très serré. Donc, voilà, c'est tout pour les demi-finales. On se revoit la semaine prochaine pour la grande finale. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Même jour, même heure. Et merci, Raph, pour ta participation. Merci à toi, Sam, de ton invitation. Et j'espère que vous êtes tous abonnés à la chaîne de Sam et que vous avez pensé à activer la cloche de notification, surtout pour ne pas louper la grande finale pour savoir la semaine prochaine qui est le vrai expert d'Adopt Me. Oui, et bien entendu, n'oubliez pas d'aller vous abonner sur la chaîne de Rafcal. Le lien est sous la vidéo. Donc, bye les amis! Bye!